Ouais, le convoi exceptionnel, c'est toi qui m'as répondu? Ouais, vas-y. Ok, merci. Bah, tu es sur la CB aussi, alors la moindre des choses, on se soutient, non? Ok, bonne route. Dans ton sens, ça va, la route est propre. Hein. Il n'y a pas trop de monde, ça va. Je me suis trompé de canal. Ouais, je te disais, dans ton sens, ça va, la route est propre, il n'y a pas trop de monde. Là, ça roule encore bien. Alors, depuis que je suis passé à Santiago 1200, qui est pourtant une bonne antenne, Eh bien, je prends un peu plus les QRM. Bon, tant pis. Eh bien, quel temps de merde là aujourd'hui sur la route! Attention, Coco, pour Dundee qui t'appelle! Ouais, bien, comme les Bordelais aiment bien sortir quand il pleut. Et ben voilà, il tombe des cordes et c'est bouché, tout est bouché. Alors les stations qui arrivent de Libourne, là, sur Bordeaux, là, dans le dernier tronçon limité à 90, on roule au pas, hein. Mais vraiment au pas. Hein.
Oui, mais vu comment c'est parti, je sens que le passage du pont d'Aquitaine ne va pas être triste. Il y a quelqu'un de ce côté-là en ce moment? Oh, bah visiblement non. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, bah, il pleut. Quando eu tomei por civis, isto foi, teve uma estrada cortada toda a manhã. Não sei para quanto ser, foste. É muito carro, é muito caminhão, é tudo foda-se. Foi o que eu tinha atrás dos caminhos. Agora cada vez que vai ficando pior. Lá embaixo já estava. Lá embaixo na rocada já estava a partir da. Toulouse para baixo até à rede estava fodido. Agora aqui está igual. Agora cada vez pior, isto vai, ter, vai chegar na hora de ponta. Fodeu. Je me trompe ou c'est le bazar là quand on arrive vers le pont d'Aquitaine? Salut Station Fréquence et les bons soins 1351 à vous tous de la part de Daddy 33. Et comme on peut s'y attendre étant donné qu'il pleut, c'est le bazar sur le pont d'Aquitaine. C'est le bazar. Et en plus de ça, ce soir, ça va être encore pire car il y a Céline Dion qui est au stade là, à Bordeaux-Nord. À Bordelac, je veux dire. Eh bien. Comme quoi les jours se suivent ne se ressemblent pas, c'est bien calme ce matin là-dessus. Les gars, si vous vous dirigez du côté du pont d'Aquitaine, là c'est le bazar. Hein.
Ouais, il y a un masque. Il faut que la centrale de béton me réponde là pour savoir s'il charge. Normalement, oui. Ok. Il a pris le choix, ça va courir à 5 heures en train de prendre une coupure parce qu'il leur manque 20 minutes pour rentrer. Il va travailler donc comme ça, quand j'ai entendu encore lundi matin. Là, il a pas compris du tout. Ouais, bah oui, oui. Non, mais t'as qu'à faire le calcul, il faut. Allez, une heure pour la New York. Allez, je vais compter une heure. Il faut pas une heure, mais pour moi, c'est pas grave. Ça, il faisait 3 heures de volant à New York. Et ben, de là, après d'être rechargé, ben, où que je devais aller d'abord à Saint-Sauveur-Denis. Et puis, il est redescendu après la remontée direction La Rochelle, il est coupé par Marron. Et ben, je peux te dire, il a fait ses coupures à 11h30 midi. Moi je mange souvent vers 1h. Comme ça généralement j'ai mis 5h30 train. Et comme ça l'après-midi t'es tranquille, je fais tout plein à faire. Ouais, c'est comme ça que c'est. Charge. C'est du 2-6 contre 7 qui charge le caso, et pas du 10-14. Ouais, c'est bien du...
c'est mon CFA. Parce que maintenant... C'est la dernière fois la patronne qu'on avait vue. Je me souviens plus. Il est blonde. Ah ouais, mais je me souviens plus, tu vois. Ouais, Charlie, bon petit courage. Je t'ai retourné de la prudence, la bonne journée à toi. Et peut-être à demain. Ok, ça marche. Ah ben c'est qu'il y a du monde sur le 19. Faut juste être là au bon moment. Bon maintenant pour moi, là, vu où je suis là sur Blanquefort, c'est un peu loin. Quoi.
Alors, s'il y a des stations en fréquence, évitez là tout le secteur parc des expositions, là tous ces coins là, car là c'est très très compliqué. D'ailleurs là moi je suis complètement coincé là dedans là. Il y a Céline Dion là qui est en concert ce soir, donc là c'est complètement saturé là du côté circulation. Oh, mais il ne reste plus qu'à faire demi-tour. Les 2000 pattes là que je viens de croiser, vous allez être obligé de faire demi-tour là au rond-point là, car l'accès là vers le stade par des expositions là c'est complètement fermé par là, on peut pas rattraper le pont d'Aquitaine, il faut faire demi-tour et faire tout le tour là du lac. Ah bah c'est en plus vous parlez pas français, ouais, comment veux-tu qu'on se comprenne? Ah bah d'accord. Ah, il y a une limousine. Bon, d'accord. Et un petit tour, et deux petits tours. Alors, les stations en fréquence, surtout éviter le secteur parc des expositions. C'est complètement bouclé, hein, c'est complètement fermé là, de ce côté-là. C'est du monde en fréquence, que vous êtes du côté Bordeaux, prenez plutôt le chemin à la barde par la piste d'accélération là, des motos, hein. Parce que sinon là par le lac tout est fermé, là tout est bouclé, hein. Thank you.
quelqu'un qui a parlé, mais avec les QRM, c'est pas passé. Oui, la station qui a pris le micro, les 73 de Dundee 33, là, sur Bacalan. En tout cas, pour sortir de Bordeaux, là, ce soir, c'est pas triste. Les beaux côtés, c'est qu'on visite un peu la ville. Ce bazar, dans le sens de la descente. Station fréquence, et bien sûr très c'est côté à vous tous de la part de Dundee 33. Alors côté circulation, et bien c'est le bazar à Bordeaux. Voilà, tout le secteur par des stades, je veux dire Bordelac est bouclé. Et tous ceux qui sont dans le sens Paris-Bordeaux, et bien la plupart des véhicules sont à l'arrêt. Ouais, j'ai entendu quelqu'un là tout petit là dans le lointain, les bus 1351, toi, de la part de Dundee 33, et bonne route. Et dommage si tu vas du côté Bordelac. Alors, bien, hello. Salut, salut, on va vous en entendre, j'ai